Un mot sur Le bonheur par la sagesse de Michel Daniello, publié aux éditions Xenia en 2015. J'avais été séduit par la bonne humeur, la bonne santé et le bon sens de ce pharmacien franco-suisse, Michel Daniello donc, qui, comme beaucoup d'auteurs, d'amateurs de belles pensées, avait compilé des perles de sagesse. Puis ensuite, il les avait classées en trois domaines: la vie sociale, la vie sentimentale et la vie spirituelle. Ce qui le distinguait des autres pêcheurs de citations, comme il y en a beaucoup, c'était la richesse dans la concision de ses commentaires. Il y avait une véritable nourriture d'esprit et quelque chose de très utile à puiser dans ses notices. Et puis, les vignettes à l'encre de Chine de son illustratrice, Niki Kyriantonakis, je crois qu'on les voit un petit peu ici, eh bien, elle venait donner à ces réflexions la densité sans poids d'une véritable méditation. En plus, le livre, on le voit, il a une couverture chiffon, il est imprimé sur du papier chamois, c'est un format poche qu'on peut tout le temps emporter avec soi, que j'ai souvent avec moi. Et c'est l'un des plus jolis livres, un des plus beaux ouvrages que j'ai eu l'occasion de publier dans ma longue vie d'éditeur. À quoi ressemblent ces pensées? Voilà, je vous en lis une, par exemple, de Pythagore. Citation: Les hommes ont les mots qu'ils ont eux-mêmes choisis. Commentaire: Les anciens croyaient en la médecine préventive. Depuis, nous avons bien codifié l'art de préserver notre santé, sans quoi il nous est impossible d'être heureux. Or, nous faisons nous-mêmes le lit de nos maladies: alimentation excessive et déséquilibrée, abus et addiction, sédentarité, etc. Tandis que entretenir un état d'esprit négatif et pessimiste augmenterait le risque de cancer. D'après Appius Claudius Cecus, l'homme prie la Providence, mais commence par être un traître à sa propre santé. Pour conclure par une belle maxime, chacun est l'artisan de son propre sort. Le bonheur par la sagesse de Michel Daniello aux éditions Xenia.